26 avril. Donc on est mardi 26 avril et nous allons faire dans le summertime Winnie. Donc c'est marque-page Winnie et porciner ensemble et on va les faire au marqueur, au twin marking. Au twin marker, twin marking, n'importe quoi. Au twin marker, donc on va commencer, je dis bien commencer par le jaune, parce que je n'en ai pas grand chose. J'espère que vous voyez un peu le dessin. Et ça, ce sera pour le 28, pardon. Ce sera pour le 28, donc pour jeudi. Donc c'est toujours dans le summertime. Hein. On va prendre donc ça pour faire les petites pâquerettes en jaune. Hein. Un petit jaune. Ça va aller vite, ne vous inquiétez pas. C'est très facile. C'est pas facile à faire. Je mettrai bien un beau ciel bleu derrière. Voilà. Parce que ça fait plus effet de printemps. On commence à être dans le printemps, bien sûr. On va faire Winnie, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on a déjà fait deux petits pétales. On va faire la même chose pour Winnie, parce que Winnie est en jaune aussi. Donc je vous montre après juste le coloriage fini, parce que là il n'y aura pas grand chose à faire, comme je vous ai dit. Voilà. Donc la vidéo hier est sortie, ne vous inquiétez pas. Donc ça fait ça. Que vous voyez, assez uni, c'est trop trop beau, moi je trouve. Donc on va le remettre bien correctement. On va remettre dans sa petite boîte. On va prendre du rouge. Du rouge comme ceci pour faire le petit petit maillot de Winnie, puisque son maillot est en rouge. Voilà, donc on va faire une petite langue en rouge, donc ça fait ça. Après on va prendre du marron pour faire la petite balançoire. On va faire le petit bas pour faire sorte de balançoire. Ça fait une sorte de liane balançoire sur porciné, mais je ne vois pas ce que ça pourrait être. Donc je vais juste faire le petit banc de porciné en marron, bien sûr. Hop, hein, juste le petit banc. Après, c'est des lianes juste ici. Donc si on déplace un petit peu, c'est juste un coloriage et on fait le petit nœud, le petit nez de Winnie. Donc ça fait ça, voyez. Donc on va faire maintenant les petites branches hop, je les ai jamais essayé en comme ça. Donc on va faire les petites branches en vert, bien sûr. Voilà. Et là, pareil, hop, et après on va faire porciné. Ne vous inquiétez pas, on fera porciné en rose, mais de couleur. Donc après on va faire un bleu en dessous là, ça fera plus joli. Qu'est-ce que vous voyez déjà?
Voilà, ça fait super beau, je trouve, dessus. Tous les marque-pages, je les fais au twin marker, de toute façon, de toute manière ou autre, j'ai fait au twin marker. Là, les petits ronds, il faut aller faire en orange, donc on va changer après, ne vous inquiétez pas. Voilà, et ici aussi. Alors là, on a fait les petites feuilles. Là, on va prendre juste du marron pour faire le petit orange là, de sur les fleurs. Je ne sais pas si vous voyez assez, on voit un peu. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait que ça. Après, on va se prendre porcine pour la fin, puisqu'on a presque fini. Hein. Ouais, on a presque terminé. Je vais prendre juste un petit peu pour... Là, pour... Oui, je vais reprendre un tout petit peu là. Ouais, juste un tout petit peu. Voilà. Donc, on va prendre maintenant Winnie. Hop, Winnie. N'importe quoi. On va prendre Porcini. Ça va être un rose assez clair en dessous. Hop. On va faire deux couleurs. Ne vous inquiétez pas, ce sera deux couleurs. Parce que Porcini a quand même deux couleurs à chaque fois. Et on va faire un plus foncé. C'est sur ses oreilles. Hop. Voilà. Alors, je vais reprendre juste le marron qu'on a oublié un tout petit peu. Après, on va prendre un rose un peu plus foncé. Rose un peu plus clair. Alors, pour faire le rose un peu plus clair, pour faire juste son visage. Son visage. On va prendre un rose un peu plus clair. Pour faire son visage, ses bras et ses pattes. Et voilà. Juste le rose qu'on a pris tout à l'heure. On va reprendre juste un petit peu ce qu'on avait oublié là. Ok, et là on va prendre un violet encore un peu plus foncé pour faire juste son t-shirt. Hop là, et après ça va être là. Et il manquera plus que le bleu. Et après, ce sera terminé. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça fait pour porcine. Après, on va faire le bleu. Alors le bleu, j'aimerais bien un bleu assez clair. Donc, on va prendre un bleu comme ceci pour faire tout derrière. Ouais, un bleu comme ça. Ça ferait plus joli, je trouve. Et puis, ça ferait trop, trop beau. On se croirait au printemps, en plus. Donc, vous voyez déjà juste là. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que je vais le faire au pinceau pour aller un peu plus vite. Juste le petit hop. Donc vous voyez assez derrière, ça fait super beau, moi je trouve magnifique. Ah, ils sont très très beaux ces aquamarqueurs, je les recommande, ces tulle marqueurs, que je les adore. Hop, on va faire ici aussi. Hop. On va faire tout.
toutes les bordures pour que ça fasse super beau dessus. Parce que si ça ne fait pas beau, c'est pas beau non plus. Hein. Alors, on dépasse un petit peu, c'est pas évident. De toute façon, on dépasse. Donc voilà ce que ça fait déjà. Donc on applique ici et en bas. Après on aura terminé. Donc jeudi on fera la reine de cœur. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça fait ça. Enfin, moi je trouve qu'il est trop beau le marque-page. Je valide. Hop. On valide. Voilà, donc je vous le montre terminé et fini. Donc voilà, juste un petit peu. Voilà, donc je vous le montre terminé et colorié. Donc voilà à quoi il présente. Ça se voit derrière, mais bon, c'est pas grave, c'est un co-marqueur. Après, on le plastifiera, puis on le mettra dans les trucs à marquer. Dans les trucs à marquer page. Donc voilà les gens, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire en dessous de la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à jeudi les gens, salut. Bonjour les gens, on est toujours le 26, mardi 26 avril. Donc voilà le marque page terminé. Donc voilà les gens, je vous dis à mercredi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire sur la vidéo et n'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne et je vous dis à mercredi les gens, salut.